quoi de mieux pour terminer la semaine qu'un freestyle hip-hop sur les ondes de la grenouille ? 18h11, chers auditeurs, et j'ai le plaisir d'accueillir dans mon studio Square Section, des hip-hoppers et des rappeurs qui nous feront tout à l'heure le plaisir d'un freestyle. Ils sont demain en concert à l'Escale Saint-Michel d'Aubagne, partageant l'affiche avec le New-Yorkais Spot, qu'on aura tout à l'heure en direct de Hollande au téléphone, et Isaé, le petit chouchou marseillais qui s'apprête à sortir Pop Art Lyrical, son nouvel album. Maintain, c'est signé Spot. Il est là, direct, avec nous au téléphone. On va avoir droit à une interview en direct de Hollande. Il n'est pas à New York, puisqu'il fait un petit détour par là-bas pour quelques shows, juste avant son show de demain soir à l'Escale Saint-Michel d'Aubagne. Maintain, on en discutait hors micro avec Sparish et Don Scalp. Alors, évidemment, on a envie de savoir, Maintain quoi ? Je parlais d'un maintien de l'ordre, certainement pas. Un maintien de la paix, de la liberté. Il semblerait que, Sparish, tu me disais, peut-être un maintien... de la famille comme ça, un maintien de l'amitié, enfin garder autour de soi tous ces gens qui nous sont chers. Finalement, c'est assez joli comme manière de voir les choses. Spot, I wish you welcome. Thank you for me. How are you? I'm doing well, how are you? Well, pretty good here in Marseille. Are you happy to coming on stage tomorrow night? Yeah, I'm really looking forward to it. Okay, so it's a little difficult with the sound, but anyway, we just were listening to Maintain, one of your tunes. Could you explain to us what you want to maintain, or what you expect to? Well, Maintain is just a song about care of yourself, you know, making sure that you have a roof over your head, food in the fridge, you know, you're taking care of your family. That's what Maintain is all about. D'accord. En gros, c'est de maintenir sa propre vie, d'avoir un toit sur la tête et de maintenir l'amour qu'on a pour la famille qui fait attention à nous. How is the underground hip-hop scene in New York nowadays? Well, I have to say the underground hip-hop scene is at its strongest right now in New York. Because of the underground hip-hop scene in New York, I'm able to be here right now in Europe and make my way over there to France and perform in Aubagne and Marseille, so I'm with the underground scene right now. Ok, donc la scène underground finalement elle est assez puissante d'après ce qu'il nous explique, puisqu'en effet il arrive même à jouer à Aubagne en Europe, et c'est vrai que pour les Américains quand on leur dit Paris en France ça va, ils arrivent à peu près à situer, mais alors le reste ils connaissent absolument pas, donc c'est vrai que ça doit un peu le faire halluciner. How did you get in touch with Square Section, with Sparish particularly? Well, I did an album, a mixtape with my friend Scram, and it's called SOS TNT, and we did another one called Monday Night Fever, and it's off. I didn't write anything down. We freestyled about 30 songs, and we put two mixtapes out. And Sparish picked it up off of MySpace, and he loved it. You know, he said it was that real old-school hip-hop, and we kept the communication going. Sparish came out to New York at the time. We met up, and... You know, we've kept in touch ever since, and we've been working together. Okay. Alors ça fait beaucoup sourire, Sparish, c'est ce que tu m'expliquais en fait. En effet, donc ils avaient mis sur leur MySpace une mixtape avec à peu près 30 chansons, ça s'appelait SOS, c'est ça ? Et d'après ce que tu lui as dit, c'était du bon vieux hip-hop old school, et c'est ça qui t'a fait kiffer, tu l'as connecté, et du coup vous êtes rencontrés là-bas à New York. In what kind of place do you play in New York ? Do you perform? We play at a lot of the nice live stages, like Bowery Poetry Club in New York City. We play in Brooklyn at the Five Spot Cafe, Sputnik. There's a lot of places that we go where you're expected to see a lot of great underground acts performing. Mm-hmm. Alors à New York, bah, il joue dans pas mal d'endroits, d'après ce qu'il dit, quand même des scènes assez larges. Donc finalement, il y a quand même une assez belle scène hip-hop, peut-être pas tous les jours, mais en tous les cas, il joue sur Manhattan dans les ballrooms. Je me souviens des Roots qui jouaient au Highline Ballroom, c'est un truc qui contient 2000 personnes. Donc pour New York, c'est assez raisonnable en fait. Il joue pas mal à Brooklyn, il joue sur des scènes de poésie et ainsi de suite. Bon, on comprend pas très très bien malheureusement ce que dit Spot. I hope you're going to have a good night in Holland tonight. The sound is not good enough to continue this interview. Maybe we have the chance to see you tomorrow or Sunday.
on stage here in Marseille. Yes, definitely. I'm looking forward to it, and everybody out there that could hear me, I'm really looking forward to meeting everybody out there in France and performing and sharing my music with you. I'm bringing along my DJ, DCS, and one of my boys from New York that's a producer and an artist, Spence Boogie, and we're all looking forward to coming out there and putting on a good show for you. Okay, we wait for you. You are expected. Spot, I wish you good night. Thank you very much. See you tomorrow. Spot viendra donc demain à l'Escale Saint-Michel d'Aubagne avec son DJ et un autre MC, c'est DSC le DJ et Boogie, l'autre artiste qui partage la scène avec lui. Est-ce que vous avez l'intention de rencontrer Spot sur scène demain, de faire des featuring croisés comme ça? Nous, oui, bien sûr, c'est prévu. Square Section, ouais, ah ouais, c'est prévu, exact, comme ça, une sorte d'inédit.